Salut les amis, voilà aujourd'hui on part pour 4 jours de stage, je vous emmène avec. Donc avant de partir en stage, il faut absolument que je remplace ma roue parce que bah, suivant les conditions climatiques, je ne vais pas rouler avec une roue carbone, mais surtout parce que je ne suis pas certain que la roue puisse tenir 4 jours. Donc je vous emmène avec, c'est parti, j'espère vous faire un max de vidéos et que cette vidéo va être plutôt sympa. En tout cas, les 4 jours que j'attends ici vont être bénéfiques pour Bahreïn. Le problème c'est que pour le moment, bah, il manque celui-là. J'ai celui-là, mais il manque celui-là. Donc en gros, il me manque mon vélo de chrono. Il a dû repartir en Allemagne pour un souci au niveau du sein. Donc je vais devoir m'entraîner avec le route. Bon, c'est parti, parce que je suis pas en avance, comme vous le savez. Comme toujours d'ailleurs. Je dois changer la roue de celui-là et préparer toutes mes affaires pour aller à l'entraînement. Donc aujourd'hui, c'est un entraînement running et un entraînement vélo. Allez, c'est parti. Il est 8h donc je démarre pour Nivelles. Donc le premier entraînement se fait à Nivelles sur piste. Donc on est parti pour normalement 2 heures de course à pied, je pense, quelque chose comme ça. Ensuite on est reparti pour 2h30, 3 heures de vélo. Donc on verra où on va aller se balader. De toute façon, je vous emmène avec, je vous l'ai dit. Et puis bah voilà, on continue, tout est prêt, hein. Voilà, c'est un peu le bordel, c'est un peu la course. Mais ça va, il fait beau là pour ce matin. Ils avaient annoncé de la pluie, mais pour le moment ça va, il fait plus que correct. Donc ça va être agréable et puis bah, j'espère qu'on n'aura pas trop de pluie sur le vélo. Donc voilà, allez, c'est parti! Bon, voilà, je viens d'arriver à Nivelles, je suis un petit peu en avance, il est 8h30, on avait rendez-vous à 9h, donc pour une fois c'est bien. Bah, je pense que je vais attendre un petit peu, et puis je vais tout doucement me préparer, et puis quand les coachs seront là, je pense qu'on partira directement sur l'entraînement. Pour le moment il fait correct, j'ai vu entre 7 et 10 degrés, donc c'est pas encore hyper froid, je m'attendais à pire que ça. Donc j'espère que ça restera comme ça, c'est cool. Bon, allez. On continue, j'essaierai de vous filmer un petit peu l'entraînement et ensuite on partira sur le vélo. Allez, c'est parti, 4 jours de stage. Ça va être cool. Après l'entraînement de vélo, donc on a tapé 2h20 et on a terminé sous la pluie, comme vous pouvez le voir. Et là, je pense que le soleil des prochains jours arrive tout doucement. Voilà, ça va être cool. Et là maintenant, je vais rentrer pour me reposer un petit peu et donc ça va me faire beaucoup de bien. Bon, allez, on se retrouve donc demain matin. Entraînement natation sur 1h, 1h30, je pense. Et alors après, on aura un entraînement de côte. Allez, on se retrouve demain. Les amis, on se retrouve jour numéro 2 aujourd'hui au programme 1h, 1h30 de piscine. Ensuite, on part sur le vélo pour je pense c'est 2 ou 3 heures d'entraînement. Et là, ce sera un entraînement spécial puissance en côte. Donc c'est parti. Voilà, on se retrouve à Auvelais, la piscine d'Auvelais. Allez, à tout de suite.
Bon, voici donc revenu à la camionnette. Aujourd'hui, 1h30 nat, 2h15 de vélo, spécial côte. On le sent bien dans les jambes. On sent que le deuxième jour, il fait mal. Évidemment, le premier a fait mal aussi, mais le deuxième, il pique un peu. Donc voilà, bon, maintenant je vais tout ranger parce que là, il fait un petit peu frais. Et alors, je repars à la maison pour manger avec Marine. Allez, c'est parti. Bon, ben voici sur la route du retour. J'ai rangé tout dans la camionnette, enfin plus ou moins. Et là, je rentre pour la maison. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, donc une heure et demie dans l'entraînement dans l'eau, un bon 4 km dans l'eau. Et ensuite, on est parti pour 57 km de vélo où on a fait 15 km montant, 15 km descendant. Donc c'était plutôt sympa. C'était bien dur dans les cuisses. Bah oui, avec hier, on avait quand même roulé 2h30. Je me sens assez bien. Et là, je rentre à la maison. Je vais me ravitailler et surtout bien me reposer. C'est parti, on continue l'aventure. Donc là, here we go pour la maison.